Allons ouvrir notre Bible dans Luc chapitre 12. Alléluia. Et nous allons parler aujourd'hui de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, qui était une gloire. Il était rentré à Jérusalem en tant que roi. Et nous allons vraiment comprendre cela. Alors il y avait des hypocrites dans ce moment ou des pharisiens. Il était là juste qui suivit Jésus-Christ pour lui détourner de son ministère ou de son œuvre. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est Dieu, il connaît le cœur de chacun. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Luc chapitre 12, on va commencer, je pense, à partir du verset. Commencez à partir du premier verset. Pardon, pas Luc. Qu'est-ce que je dis? Pas Luc 12. Jean chapitre 12. Désolé. Ouais. Jean 12, pas Luc. Ça va être Luc 19, mais c'est pas Luc 12. Alléluia. Jean chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus-Christ arriva à Béthanie où était Lazare. Il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marc servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, de grand prix, pour oignir les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non, il s'est mis en peine, les pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ses colis. Mais Jésus laisse là. Et gardez ce parfum pour le jour de ce prix. Vous pouvez vous asseoir. Il y a toujours des jalousies. Juste pour petites choses. Regarde, ce parfum pousse Judas encore. Il pousse en amertume ou bien à faire ce qu'il a désir de faire contre Jésus-Christ. 6 jours avant la Pâque. C'est-à-dire, on était proche de la Pâque. Jésus-Christ les a invités à la soupe. C'est pas, je ne dis pas ce qu'aujourd'hui on m'a invité à la soupe. Bon, alléluia. C'est pas la raison. Mais le Seigneur est bon. Amen. Amen. Maintenant, la rentrée de Jésus-Christ à Jérusalem. En ce temps-là, la Bible dit, nous expliquer d'abord l'histoire. Jésus-Christ il a ressuscité la Jacques, mais Lazare était là dans sa ville à Béthanie. Mais maintenant, au verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Et maintenant, pendant qu'ils attendent tout simplement que Jésus-Christ se rendait à Jérusalem, remarquons ce qu'ils étaient en train de faire. Et est-ce que cela est arrivé déjà? Vous avez vu déjà où, quand vient, ben, je ne sais pas, un président ou un grand, il va venir et les gens commencent à prendre feuilles ou je ne sais pas, soit le mettre par terre ou tout ça. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Et prit des branches de palmier et allait au devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus-Christ souleva un anneau et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion. Maintenant, avant même
nous allons vraiment lire de la prophétie, ce que la Bible dit par rapport à cet anneau, ou comment Jésus-Christ allait rentrer à Jérusalem. Mais c'était le roi de gloire. Et c'est là que c'est très important, nous allons voir. Et si c'est Jésus-Christ qu'on a créé le roi de gloire, alors ce que la Bible dit dans Zacharie chapitre 9, verset 9, la Bible dit une chose ici. Voilà. Sois transporté dans l'église, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Alléluia. Et il est humble. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Qui est humble ici? C'est grave. On ne va pas avoir le mot humble. On va expliquer. Alléluia. Il est humble et monté sur une âne. Sur une âne, le petit d'une ânesse. Ça, c'était la prophétie. La Bible dit, notre roi vient. Et pendant, remarquez ce verset dans Jean chapitre 12. Ouais, dans Jean chapitre 12, nous venons de lire le verset. Le verset 15. Il a dit, ils ont dit quoi? Ne craignez point, fille de Sion, voici ton roi vient. C'est-à-dire le roi que parle le prophète Zacharie, ce n'était pas d'autre que le Seigneur Jésus. Alléluia. Voici ton roi vient. Et ne crains pas. Ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Et ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus y était glorifié, il se souvint qu'elle était écrit de lui et qu'il les avait accomplis à son égard. Tout ce qui était avec lui, quand il appela Lazare de ce pays, les ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Et la foule vint au devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait de ce miracle. Ce n'était pas pour une autre chose que la foule approche vers Jésus-Christ. Mais il y a aussi d'autres choses. Les pharisiens se disent, donc, les uns aux autres, vous voyez que nous ne gagnons rien. Voici le monde est allé après lui. Ça, c'était les pharisiens. Mais il y a une autre, au verset 22. Philippe alla et dit à son frère André. Puis André et Philippe et dit à Jésus-Christ. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est-à-dire Jésus-Christ était en train de parler ce qui allait passer d'abord juste une semaine, dans une semaine ou dans six jours. Pas six jours, dans trois jours par exemple. Et regarde ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous manque beaucoup. Il a dit, en vérité, je vous le dis, sur les grains de blé qui est tombé en terre, demain, il reste seul. Mais il porte beaucoup de fruits. Savez-vous, le plus souvent, nous ne portons pas de fruits. Nous ne sommes pas encore morts dans notre volonté. Parce que pour porter le fruit que Jésus-Christ il a voulu, ou il veut que nous portions, et nous devons d'abord mourir dans notre volonté. Il a dit, et regardez tout cela. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Écoutez, tu aimes bien ta vie ici, c'est bon. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là je le suis, là où je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette douleur, ou bien de cette heure. Des fois, qui a déjà arrivé un moment où il dit, Seigneur, je ne peux plus. Jésus-Christ arrivait à un moment, il était troublé. Et c'était sa chair. Juste pour livrer sa chair pour nous, il était troublé. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant cela, et notre message, c'est bien, ça va parler, et nous allons juste passer de là. Mais c'est dans Luc chapitre 19. Voilà. Et c'est ça. Nous allons parler d'abord de la rentrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Et Jésus-Christ était un roi, non seulement un roi considéré et qui aime bien la louange. Et c'est pourquoi, en rentrant à Jérusalem, on lui donnait d'abord la gloire, la louange. Et c'est pourquoi, quand nous sommes ici, il n'y a qu'une chose que nous devons faire, et nous allons faire, lui donner quoi? La louange. En toutes choses. Parce que la louange nous revient. Amen. Amen. Nous avons déjà considéré la louange et l'adoration des disciples lors de l'entrée triomphe de Jérusalem à Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 19, commençant à partir du verset 28. Mais il y a deux points forts. Il est le roi qui maîtrise chaque situation. Il maîtrise la situation. Et il est le roi qui dépasse tout. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas maîtriser votre situation. Mais lui, il maîtrise chaque situation. Nous devons maîtriser la situation si pour une raison, pour une raison ou une autre, les événements ou qui nous dépasse, nous nous sentons très mal à l'aise. Est-ce que vous avez été déjà dans une situation où vous vous sentez vraiment perdu? Remarquez, Jésus-Christ, il est arrivé à un moment, il a dit, Père, tu m'es délivré de cette heure. Il a voulu que sortir, pour lui c'était trop. Maintenant, dans Luc chapitre 19, alléluia, nous allons voir un peu quand Jésus-Christ approchait de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il a... Jésus-Christ était en train de marcher d'abord. Et pour qu'est-ce qu'il lui empêche d'abord d'arriver à Jérusalem? On va voir clair. Il n'a pas besoin d'abord, il a marché plusieurs jours, pendant plusieurs heures, mais quand il arrive à Jérusalem, il faut que la prophétie soit accomplie. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Alors il était en train de marcher pour monter à Jérusalem. Mais regardez, lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie vers la montagne après montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Wow! Et détache-le et amène-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Il était en train de marcher et pour plusieurs jours. Mais quand il arrive proche de Jérusalem, il a fait quoi? Il a arrêté tout simplement. Il a dit à ses disciples. On va juste revenir encore dans Zacharie chapitre 9, verset 9. C'est-à-dire, c'est cette prophétie qui devrait être accomplie. Zacharie 9, nous venons de lire la prophétie. Alors Jésus-Christ pouvait marcher et rentrer à Jérusalem. Normal, comme il a fait pour la Béthanie et d'autres villes.
Mais il s'est arrêté là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que cette prophétie soit accomplie. Voilà. Sois transporté dans l'église, fille de Sion, pousse les cris de joie, fille de Jérusalem, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur une âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est-à-dire, c'était la prophétie. Et Jésus-Christ, il arrive. Ouh. Savez-vous, je ne sais pas, la Bible nous a parlé d'une chose. Toutes les prophéties bibliques doivent être accomplies. Même si tu as une prophétie, donne-moi Habakkuk 2, verset 3. Je ne sais pas pourquoi, je vais juste. Si Dieu a. C'est juste pour montrer ici cette prophétie accomplie. Maintenant, nous allons voir si Dieu a fait une prophétie. Habakkuk 2, verset 3. Je ne sais pas si je suis là-dedans. Bon. Est-ce qu'il y a une prophétie de Dieu dans sa vie ici? Regardez ceci. Puisque toutes les prophéties bibliques doivent l'accomplir. Ça vient juste de monter dans ma tête. C'est juste un bonus. Voilà. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si tu as une prophétie de Dieu dans ta vie, le temps est déjà fixé. Regarde qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Elle marche. Mais le problème avec nous, la prophétie marche et nous, nous s'assoyons. C'est-à-dire, si la prophétie marche, je dois marcher à la rencontre de. Mais au lieu de marcher, qu'est-ce que je fais? Je dois marcher et à la rencontre de la prophétie. Et la Bible dit clairement que la prophétie, alléluia, et nous sommes dans le temps où Dieu veut accomplir toutes les prophéties. Écoutez, je me rappelle bien, nous l'église de Montréal, nous avons beaucoup de prophéties de la part de Dieu. Et je vous dis, nous devons marcher, alléluia, à la rencontre de notre prophétie. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Nous devons marcher à la rencontre de notre. Parce que la Bible dit, elle marche vers son terme. Et regarde, il peut. Toi, tu vas. On chante déjà. Si tu es menteur, c'est toi qui. Mais. Ta parole de Dieu, jamais ne pense. Jamais. Si toi, tu ne gardes pas ta parole, qui va faillir? Toi. Regarde. Elle ne mentira pas. La prophétie de Dieu, ça peut arriver que, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait cela arrive, parce qu'avec Abraham, il a aussi tardé. Si elle tarde, tu changes d'avis. Ou bien, si elle tarde, tu vas juste passer de l'autre côté pour la rencontrer. Si elle tarde, que devons-nous faire? Attends. Regarde. Si elle tarde, quelqu'un qui. Ben, je pense que je suis en train de parler à ton avis de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Dieu garde toujours sa parole. Il garde toujours sa parole. Et c'est pourquoi, quand Jésus-Christ marchait, d'abord, il arrive quelque part, il s'est arrêté. Et il a dit à deux de ses disciples,
vas-y à ce village. En face. C'était juste en face. S'il n'était pas loin, il a dit, va, regardez, en disant, allez au village qui est en face. Juste en face. Alors, Jésus-Christ pouvait marcher d'abord pour y arriver. Mais il a dit tout simplement, allez, parce que la prophétie qui était écrite sur lui devrait être. Eh bien, si quelqu'un vous demande pourquoi détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus les avait dit. Mais comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Écoute, jusqu'à dire ces paroles, les paroles que Jésus-Christ le commandé a dit, et puis c'est fait. Amen. Écoute, savez pourquoi? Tu vas obéir seulement à ce que Jésus-Christ a dit de faire. Il n'y a aucune autre puissance qui va empêcher de la prophétie de Dieu dans ta vie, si ce n'est toi. Personne, aucune puissance. Peu importe la combinaison, peu importe ce qu'on a fait, personne ne peut arrêter la prophétie de Dieu. Jésus-Christ, il était venu pour mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. C'est-à-dire, c'est même Jésus-Christ qui nous a donné la vie éternelle. Qui va enlever cette vie éternelle? Nous. Parce que si nous devons être en accord. Et lorsqu'il nous a dit de marcher, nous allons marcher. Il nous a dit d'arrêter, nous allons arrêter. Mais lorsque Jésus-Christ dit arrêter, on marche. Lorsqu'il nous dit, il nous a dit marcher, on arrête. Nous ne sommes pas en train d'obéir à sa parole. Et regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est toujours un problème. Et alors, regardez, quand au verset 36, quand tu fis en marche, les gens entendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsqu'il est déjà approché de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisit de joie et se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, jusque pour les miracles. On aime seulement louer le Seigneur pour les miracles. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux, dans les lieux très hauts. Et quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus, mais, réponse à Lucie, il répondit, je vous le dis, si je le tais, les pierres vont. Est-ce que quelqu'un peut crier vraiment au nom de Lucie? Alléluia! Oh. Yeah. Écoute, si nous ne voulons pas crier, regarde ce que la Bible dit. Parce qu'il y a les pharisiens qui disent, oh, je suis ces gens qui font trop de bruit. Regarde. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un, au verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus, mais reprends cette disciple. Il répondit, je vous le dis, s'il se taise. Écoute, je vais dire une chose. Pour adorer le Seigneur, tu ne dois pas arriver à un moment où une situation te taise. Jamais. Oh, tu t'étais juste pas par rapport à une situation. C'est comme si tu es en train de dire, tu es en train de faire accomplir cette même parole Jésus-Christ vient de dire. Aucune situation dans ta vie. Et personne ne doit parvenir. Qui tu dois, pardon, qui tu veux te laisser venir dans ta vie
ou bien croire que tu veux laisser venir de ta vie pour te faire taire. C'est quel genre de choses? Et en ce temps-là, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? De louer Dieu. C'est-à-dire, des fois, nous voulons louer Dieu, oui, quand ça va. Mais s'il y a une situation, je souffre, au lieu de louer Dieu, je souffre. Écoutez, non, tu dois louer Dieu quand même. Parce que si tu te tais, là, dis-moi, c'est qui t'a... C'est comme si la situation est plus forte que ton Dieu. La situation te passe la capacité de ton Dieu. Non, mille fois, non. Je vais crier plus fort. Je vais crier plus fort. Parce qu'il y a un moment, si je ne crie pas fort, regardez qu'est-ce qui va se passer. Le verset 41. Comme Jésus-Christ, comme il approchait d'abord de la ville, Jésus-Christ en voyant pleura sur elle. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ a pleuré? Nous allons voir. Et très souvent, c'est ce qui va nous arriver lorsque nous ne comprenons pas vraiment le visite de Dieu dans notre vie. Comme il s'approchait de la ville de Jérusalem, que Jésus-Christ commençait à faire, il pleura sur elle et dit, sur toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données, mais nous ne comprenons rien. C'est comme si nous sommes encore dans le néant ou dans l'ignorance par rapport à ce que Dieu a fait. Regardez, il a dit, la Bible dit, sur toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné. Tu connais les choses qui appartiennent à ta paix. Wow! Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Pourquoi? Nous connaissons d'abord les choses qui nous appartiennent. Et quelle est la volonté de Dieu pour nous? Et encore, nous laissons ces choses, ils sont tous cachés à nos yeux. Pourquoi? Regardez. Et si ces choses sont cachées, je vous dis, un jour, l'ennemi va nous envahir. Savez-vous, nous avons parlé la foi de Dieu. C'est mieux maintenant, ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui étaient là à l'étude biblique, qui étaient à c'est pour quel jour, le groupe fraternité, pardon. Nous devons prier de demander à Dieu. On va lire quand même un verset. On lit 1 Corinthiens chapitre 1, verset quelque chose. Là. Nous voulons juste attirer l'attention, mais je te dis, nous restons, c'est bien en tête, mais ça me cache. C'est juste que nous allons demander à Dieu
cache la fumée, d'ouvrir nos yeux d'abord sur les choses invisibles. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses éphémères qui sont présentes, qui tiennent devant nous, qui nous permettent de perdre d'abord ce que Dieu a eu pour nous. Nous devons vraiment marcher dans la voie de Dieu. Nous devons vraiment suivre cette trace. Et c'est pourquoi, quand la Bible dit vous n'avez. Voilà. Il a dit vraiment, à Jérusalem. Où est-ce que vous pouvez dire le passage? Voilà. C'est... Voilà. Et là, Jésus-Christ commençait à pleurer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Et t'étrancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et c'est là un grand problème pour tous les chrétiens. Dieu nous visite. Dieu nous a parlé. Au lieu de rester dans la voie de Dieu ou de marcher dans la prophétie, vers la prophétie ou vers dans la volonté de Dieu, nous commençons maintenant à détourner, à changer voie, à regarder les choses au contraire. Ou à penser le contraire. Écoutez, l'ennemi est là. Mais si nous marchons dans la vérité, si nous marchons dans la voie de Dieu, je vous dis, il n'y a personne qui peut venir contre nous. Mais si nous ne marchons pas dans la voie de Dieu, je vous dis, l'ennemi, il est là, il est toujours là contre nous. Mais si nous ne marchons pas dans la voie de Dieu, nous allons vraiment, alléluia, nous trouver dans des problèmes. Parce que Dieu, un jour, l'ennemi va faire affaire. Est-ce que Dieu va dire comme il a dit à Job, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a quelque chose que tu ne peux pas toucher dans sa vie. Ou des fois, comme le prédicateur nous a dit, des fois, Dieu nous amène dans une situation pour nous faire prier. Des fois, Dieu ne va pas laisser l'ennemi faire ce qu'il veut avec nous, si nous sommes dans sa volonté. Mais lorsque nous ne sommes pas dans sa volonté, je vous dis, l'ennemi va pouvoir faire. Parce qu'il y a un verset, la Bible dit, alléluia, même si tu... alléluia. Michée chapitre... Tu trouves ce passage? Ne réjouis pas l'ennemi. Michel 2, verset 8, je dis papa, je ne me rappelle même pas. Ou Zacharie, je ne me rappelle pas. Ne réjouis pas, mon ami, si je. Si je suis assis dans les ténèbres. Les ténèbres. Écoutez, des fois l'ennemi va se réjouir et tu réjouis et là tu restes encore là. Et l'ennemi te réjouit, il te réjouit. Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas, oh mon ennemi. Ne te réjouis pas. Des fois, l'ennemi est en train de réjouir en nous, pensant qu'il a tout. Écoutez, savez-vous, nous allons voir l'image prochaine. La croix. Écoutez, la croix ou bien notre délivrance. Des fois, quand vient notre délivrance? Au visage des gens ou aux yeux du monde, ça ne semble pas c'est une délivrance. Ça semble pire. Écoutez, la victoire de Jésus-Christ sur l'ennemi, ça ne semble pas du tout avec une victoire. Quelqu'un qui est couru, on l'a battu. C'est-à-dire, ça ce n'est pas une victoire. C'est-à-dire, et puis il rit de toi. C'est ce qu'ils ont fait de Jésus-Christ. C'est-à-dire, à un moment donné, écoutez, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous n'allons pas laisser donner accès à l'ennemi. Même si l'ennemi se réjouit, je vous dis, sa joie c'est temporaire. Nous avons la joie pour toute l'éternité. Écoutez, ne laisse pas l'ennemi te faire taire. Amen. Alléluia.
Et notre Dieu, il est venu d'abord pour nous servir. Et un jour, il faut. Regardez bien. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit cela? Parce que regardez, il a parlé en haut, il y a les pharisiens ou les enfants d'Israël. Ils étaient dans la joie et louaient les dieux. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils ont oublié. Parce qu'ils ont détruit tous les prophètes de Dieu. Et changer la façon de faire. Regardez, et il prend le temple de Dieu. Il est temps que la maison de Dieu doit être, comme on appelle maison de Dieu, ça doit rester toujours la maison de Dieu. Et un endroit où les âmes vont rentrer et sortir, changer. Ah oui, j'ai passé là. Mon Dieu. C'est déjà mes démons. Je ne peux pas être encore de vous, ça y est. Qu'est-ce qu'il m'a fait aujourd'hui? Même vous n'avez pas l'heure. Oh. Ok, alléluia. Ou l'ennemi, il a dit que le problème avec nous, c'est quoi? Il y a des choses qui sont cachées à nos yeux. Pourquoi? Comme il approchait, il dit à Jésus, en voyant et pleurant sur elle, il a dit, suis toi où? Attends. On va voir ce que... Les choses sont cachées à tes yeux parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a une visite de Dieu dans notre domaine. Savez-vous quoi? Quand Jésus-Christ, si on va un peu plus loin, lorsqu'il a rencontré Zachée, il a dit à Zachée, je vais rentrer chez toi aujourd'hui. Zachée, il était un homme de petite taille. Il est couru, passé, monté sur comment pour voir Jésus-Christ. Écoutez, mais il a vu son cœur, le cœur de Jas, et il a dit, alors comment est-ce que Jésus-Christ a vu? Qui lui a dit d'abord Zachée était là-bas? Il a tout simplement élevé sa tête et dit, Zachée, descends. Je vais rentrer chez toi aujourd'hui. Et je me rappelle une fois, je vous l'ai dit, Jésus-Christ a un rendez-vous avec nous pour rentrer chez nous. Et nous sommes très occupés avec d'autres choses. Et alors que Jésus-Christ veut rentrer chez nous. Ce n'est pas une coïncidence. Et pendant que tu penses, oh, ce n'est pas bon. Il y a deux passages qui se lient. Il y a deux personnes qui frappent dans ta porte. Et c'était deux passages. Bon, oh, c'est le temps manque. Et ces deux personnes-là, et c'est des fois, si tu ne laisses pas Jésus-Christ rentrer, c'est que tu es occupé avec l'autre. Il y a que deux. Et c'est le passage qui, pour vous qui faites l'explorant de la parole de Dieu, ce passage, c'est la Genèse chapitre 6, pas 6, 4, verset 6. Où la Bible dit, le péché est juste à notre porte. Qu'est-ce qu'il fait? Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, ou verset 20, je ne me rappelle pas. Jésus-Christ, il est aussi où? À notre porte. Ces deux frappent. Mais maintenant, tu vas choisir. Et qui tu vas laisser rentrer? Soit Jésus ou le péché. Mais nous n'avons pas encore. Oh mon Dieu, c'est. Alléluia. Maintenant, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Si tu as une promesse de Dieu, ou est-ce que tu veux laisser ça que doit cacher à nos yeux?
Ou est-ce que tu vas vraiment demander à Dieu d'ouvrir nos yeux sur les choses invisibles? Et regardez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Ah, écoutez, ce sont des choses que nous devons demander à Dieu d'ouvrir nos yeux. Parce que c'est caché. Dieu doit ouvrir nos yeux là-dessus. Et on va arrêter après ce verset. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a prévues. Pourquoi ne pas prier Dieu d'ouvrir nos yeux sur ces choses? Ce sont des choses que l'œil n'a prévues et que l'oreille n'a préentendues et qui ne sont prémontées au cœur de l'homme. Et ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'ont. Maintenant, il est temps que chrétiens ouvrent. Il est temps que nous commençons à prier le Seigneur d'ouvrir nos yeux sur les choses invisibles. Les choses où personne. Et sinon, nous allons avoir des difficultés. Nous allons perdre d'abord les meilleurs, juste pour petites choses éphémères ou irritables. Où nous allons laisser l'ennemi et réjouir sur nous pour tout, pendant toute sa vie. Ris de nous, réjouis-nous. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé des bonnes choses pour nous. Écoutez, si notre demain n'est pas ici-bas. Il est temps que nous commençons à regarder vers les choses spirituelles, pas les choses visibles. Parce que nous sommes, écoutez, même la Bible dit nous sommes, il y a un homme spirituel, un homme charnel, ou bien un homme animal. Vous n'êtes pas seulement, vous savez, il y a un vieil homme ou un nouveau homme. Et ça fait toujours partie. Et cela, nous allons encore étudier, je ne sais pas quand, mais nous allons faire cela peut-être le dimanche. Qu'est-ce que je veux faire? Ce qui est meilleur, ou bien la puissance du deuxième mouvement de Dieu. Comme nous avons prêché ou fait, Dieu t'a fait longtemps, mais nous voulons juste revenir encore pour vous faire rappeler certaines choses. Peut-être vous voulez toujours rester dans l'ignorance. Ce n'est pas le temps. Il y a ces choses que la Bible dit, c'est pour nous. Regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu aime ici? Amen. Amen. Regarde, pour qui ces choses? Si Dieu t'aime, ces choses, c'est pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. Si tu... Savez-vous plus que Dieu t'aime? Nous avons lu un passage, je ne me rappelle pas c'était quel dimanche. Alors, parce que Dieu t'aime, il a dit que tu as du prix devant ses yeux. On ne connaît même pas ça. Maintenant, l'évangile. Et pas... Jésus-Christ est venu juste pour l'évangile. Et c'est pourquoi il nous a demandé de sa parole après sa mort. Il a dit, allez faire de tous les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais la Bible, nous comprenons que la Bible, les disciples ont compris ce que Jésus-Christ a dit. Et puis, le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église, a bien prêché la parole de Dieu. Il a dit, alléluia, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le baptême, c'est pour le pardon de. Mais il y a des gens maintenant qui ne comprenaient pas ça. Ils voulaient nettoyer les gens, enlever les péchés avant de le faire baptiser. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, quand tu vas baptiser, c'est là que tes péchés vont enlever. Personne ne peut pas enlever tes péchés sinon le sang de Jésus. Et c'est pourquoi le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est très important. Alléluia. Ça prend seulement la repentance. Alléluia. Et tu vas vraiment porter le nom de Jésus-Christ. Et cela a une grande importance. Parce que le jour de son avènement, Jésus-Christ va revenir pour son église. Et son église doit porter son nom. Et c'est ça. En se levant tous ensemble. Alléluia. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est le temps. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas. Alléluia. Le temps d'attendre.
d'attendre ou de laisser l'ennemi saisir tes saisons, comme la Bible dit, t'environner, parce que tu as laissé ces choses et ils sont cachées devant tes yeux. Mais je dis maintenant, au lieu que tu laisses ces choses cachées devant tes yeux, commencez à prier, Seigneur, ouvre mes yeux sur les choses invisibles, les choses que l'œil n'a pas vues. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'évangile, c'est bien. Alléluia. Ça n'a pas changé. La Bible dit que c'est la mort, la résurrection. Ah, pardon. La mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça n'a pas changé. Mais si tu ne crois pas selon l'évangile, tu peux croire et croire en vain. Alléluia. Maintenant, on va juste revenir juste pour 5 minutes. Bien que nous sommes déjà en retard. Je ne sais pas si le bus est déjà dehors. Mais nous sommes vraiment un peu. En retard, anyway, je pensais que j'ai encore mais je n'ai pas de. Mais le Seigneur est bon, amen. Alléluia. Et regarde, et sois être sensible au naître et des saints de Dieu. Et regarde les gens qui sont autour. Alléluia. S'ils ont besoin d'abord. Alléluia. Ne garde pas, ne sois pas égoïste avec les choses de Dieu. Partage tout simplement, alléluia, fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Nous sommes là pour accomplir la mission de Dieu dans notre vie. Alléluia, nous avons tous une course. Notre course devrait être accomplie. Le Seigneur est merveilleux, il est puissant. Je vous dis sincèrement, alléluia, si Dieu t'a amené ici, tu es ici dans le plan de Dieu et tu es ici pour un travail. Tu n'es pas ici juste pour être là. Si tu viens ici dans le froid, quand il fait chaud, tu es là, il fait froid, tu es là, alléluia. Ne sois pas être là, là juste pour être là, mais sois là parce que tu as un but et que le but que tu as c'est de gagner des âmes. Écoutez, à travers vous, en vous, avec vous, tu vas faire son travail. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est la clé et c'est très important. Et on va tous nous voir devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, Papa. Nous voici devant toi, Père. Père, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es dit, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous voici devant toi, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, ces choses cachées devant nos yeux, Seigneur, Papa, comme les enfants d'Israël. Mais Père, nous voulons plutôt, Seigneur, Papa, que tu ouvres nos yeux sur les choses invisibles, afin que nous puissions voir, Papa, et comprendre, Papa, ce que tu as pour nous, Seigneur. Oh, la machata, la bakolomo sainte. Si quelqu'un a besoin d'aide, alléluia, n'hésitez pas, alléluia. Oh, la machata, la bakolomo sainte. Au nom de Jésus, Père, il a bakolomo sainte, la baya. Alléluia, Jésus, alléluia. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne, Papa, alléluia. Digne d'être loué, digne d'être élevé, Papa, il a bakolomo. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh oui, Papa, il a bakolomo sainte. Oui, tu adores le Seigneur tout simplement. Alléluia. Et tu laisses aller ta voix. Ikoramacha. Ouais, c'est ça. Alléluia, adore le Seigneur. Oh, Ramabaya, Tarama, Koromosade. Tu vas voir ta langue va commencer à balbutier. Et quand ta langue va commencer à balbutier, c'est-à-dire, c'est là que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Oh, Ramataba, Korotoyomosade. Oh, Yobor, Yamasan, Tarama, Koromoyata. Alléluia, adore ton Dieu, oui. Alléluia. Et ta langue va commencer vraiment, alléluia, à balbutier. Oh, Yobor, Santarabayata. Ne va pas, alléluia. Oh, Koramaya, Tarama, alléluia, béni soit le nom de Jésus, et c'est la volonté des yeux. Oh, que la massacre là que tu sois ici, alléluia, et c'est Dieu même qui t'a amené ici, et Dieu est dans son plan, Dieu est dans sa volonté, alléluia, il y a un plan pour toi. Oh, que la massacre là, béni soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur. Oh, la baïobe, le sainte, la oui, c'est ça. C'est bien ça. Adore le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Voilà, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Oh oui, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est nos livres. Adore ton Dieu, c'est bien. C'est le moment même. Alléluia. Si tu es t'amener ici. Alléluia. Oh, la macota, la macolo, la macolo.
nous sa puissance. Alléluia. Qui la même vie entre ici à ton côté. Il est là juste de ton côté. Alléluia. Oh, on a ma belle sonore. Alléluia, Jésus. Oui, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Oh non, on a ma belle Seigneur, béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Qui va aller dans le bus? Gloire au nom de Jésus.